Alors, toi déjà, petit compliment. Mais c'est qui le plus beau? Mais c'est qui le plus beau? Tu me reconnais? C'est C'est un moi. beau Mais c'est toutou, moi! ça. C'est juste que j'ai un casque. Autre commande. Au pied, en avant, retourne au moulin. En avant. Allez, viens, en avant. C'est bien, un beau toutou ça. Du coup, ça c'est ok. On va aller réparer les armures. Parce que là j'ai réparé les armures en métal. On va aller réparer les armures en... qu'est-ce qu'il fait lui? C'est le chasseur lui. Lui c'est le chasseur. Bleu, 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 hop là. Alors, cordonnier. Des boutiques. Un armurier. Un tailleur. Ça va être par là. On va voir le tailleur. Attention, c'est moi Kevlar, poussez-vous! Poussez-vous! D'ailleurs, est-ce que je suis considéré comme ayant encore des trucs volés? Non. Non. Comme je me suis éloigné, du coup ça annule le truc, ok. Bah très bien. On va se nettoyer un peu. Voilà. Un peu long. J'ai le temps de boire un coup. Ah ouais, impeccable. Alors le tailleur, par où est-il? C'est ça le tailleur? Ah oui, c'est le tailleur. Toc toc toc. Marchande. Que Dieu vous protège. Ah merci beaucoup. Tu peux pas réparer mes armures? Au revoir. Quoi ce délire? Et toi alors? Je suis à votre... Ah, c'est pour une réparation. Ça, ça, ça et ça. Oh putain la vache. Ah, c'est cher! Marchandé. Et si on parlait un peu du tarif? Ouais, bah oui, parce que là c'est trop cher ton truc là. C'est trop cher, moi je te donne pas plus de... C'est bien parce que c'est vous. Ce C'est un n'est peu bas. pas assez. Bah oui, bien sûr. Allez, 255. Oui, cette somme peut réussir à me convaincre. Ah, ça c'est bien. Ah voilà, non, moi je suis tout neuf maintenant. Armure, je suis à 100, 100, 100. Arme, je veux dire, et armure. Il y a mes bottes qui sont abîmées. Donc ça, faut voir le cordonnier, ok. Bon, 97, ça va. Ah, c'est cool là. Ah. D'accord. Ouais, je me demandais pourquoi il y avait des malus des fois, il y avait des moins 1, moins 2, entre parenthèses en rouge. Eh, c'est parce que c'était abîmé. Et toi? Voyons Puisse le voir. Seigneur veiller. Ça augmente le charisme. Ah ouais, j'ai que 6 en éloquence. Oh! Une jupe de combat jaune. Pas mal du tout. 794, c'est cher. Et ça se met à la place du au queton. D'accord. Peut-être qu'un de ces quatre. Lui aussi, il est pas mal. Ça protège.
Et non, ils ont du choix. Hein. On reviendra plus tard, ça coûte cher. Voilà. Donc on va aller déposer des trucs. Est-ce que j'ai des trucs à vendre? Ouais, je crois que j'avais de la bouffe à vendre. Sur le cheval. Là. Inventaire. Non, là, l'épée, je la garde. C'était une épée quoi, ça? C'est une épée courte? Ouais, c'est une épée courte. Ouais, peut-être la viande de lièvre. Peut-être en vendre un peu. On va pas tout garder. Les livres, faut que je les dépose au coffre parce que c'est lisible uniquement à partir du niveau 15. Du niveau 6. J'ai le temps. Et l'autre livre, je sais pas ce que c'est. Oh, le dé c'est pareil, je sais pas si je vais le garder. Tiens, remarque. Il faut que je retrouve le boiteux dans une taverne, il aime jouer au dé. Peut-être qu'on fera une partie contre lui. Avant de le buter. Alors 98, ok. Bon. Allez, c'est parti. On se barre au moulin. Au moulin. Ah, ta gueule, le cheval. Le chien. Yeah. Ah, c'est carrément mieux avec un cheval, quoi. C'est ça qui me manquait. Voilà, hule. Non. La dernière fois j'ai parié, j'ai perdu de l'argent. Alors... J'ai perdu 40 dollars. Ah bah oui, j'ai plein de trucs ici à vendre aussi. Une masse d'armes. Une défense. Des bandages. Des bagues en argent. Oui, il y avait tout. Ok, ça. Et moi, je vais juste déposer le bouquin. Ah, attends. Acolyte, le cheval. Alors, ça on va pas le garder sur soi, on va le mettre dans le coffre. Rejoins l'inventaire. Ça fait quoi? Pendant 5 minutes, les frappes vous infligent deux fois moins de dégâts. Ça c'est des potions. Alcool fort. Attention à la gueule de bois. Par contre ça donne de l'alimentation. Ouais, mais c'est terrible. Augmente la force. Le poison, ça peut être pas mal. Le schnapps, bien sûr. Ça, c'est bon. Le vin, par contre, ça dégage. Ça, on le prend. Alors, attends. Les bandages, on les garde. Ça. Les cartes au trésor, je vois pas. Donc, pour l'instant... On va les remettre dans l'inventaire. Hop, le dé, on le garde. Ça, on le prend. Voilà. Inventaire. Donc, l'épée de noble, on la range. Ça, on le vend. Ça, on le vend. Les bagues, on les vend. Ça n'a pas d'impact sur l'éloquence ou autre. Le charisme. Si, ouais, ça ajoute du charisme.
Ah bon, ça ajoute charisme. Non. Des éperons. Une main secondaire. Jambe maille, jambe plate. Ouais, ça a rien à voir. Non, on va les vendre. Ça, on les vend. En nourriture. Ça, on va vendre, on va vendre, on vend, on vend. Le schnapps. Je regarde un peu sur moi. Ça, on a dit que c'était quoi, c'est déjà. Alcool fort. Ça augmente l'alimentation, par contre. Je peux le conserver. Je peux le conserver dans le coffre, on sait jamais. Ça, on le met dans le coffre. Ça, on a dit qu'on vendait. Ça, on vend. Les cartes, on les range. Hop là. Ça, on vend. On vend, on vend, on vend. Et j'ai dit... Ça, je le gardais. Voilà. S'asseoir. Lire. Vous avez découvert une nouvelle recette. Ah d'accord, ça détruit le livre. Ok. Se lever. Donc si je prends ça, normalement, il peut pas le lire. Vous n'avez pas le niveau de lecture requis. Ok. Ah oui, d'accord, quand ils disent lisible à partir du niveau 15, ils veulent dire le niveau 15 en lecture. Compétences. Lecture. Ouais, ça doit être ça. Je pense. Les livres sont moins chers en boutique. Lorsque vous lisez, vous êtes deux fois moins affamé et fatigué. Hey, allons voir ça. Ça m'intéresse. Non, inventaire. Je regarde en même temps si j'ai pas oublié des trucs à ranger, mais j'ai fait le tour. C'est parti. Sauvegarder un coup. Juste 1 hour. Ouf. Pas de somnambulisme. Par contre, niveau de la fin, j'ai pas regardé. Alcool 13%. Ah ouais, la qualité du lièvre est à 51. Oh. Minable. Le temps que j'aille le vendre, il va pas se vendre. Il va pas se vendre très cher. Yeah.
Donc j'essaie de trouver des bouquins. Il disait que ça s'achetait en boutique. Allez voir ça. Ah, poussez-vous. Et bien que je suis pressé, bordel. Faut que je me dépêche de vendre ma viande. Quoi? Je peux te vendre ma viande? Bon après-midi. Peut-être que je le vende au chasseur, hein, il aura peut-être plus de thunes. Au revoir. 98. Bon, ça va à peu près. Je pense que je peux te vendre ça. Ça. Ça, ça. Je t'en vends. Ça me fait que 30. Tout ce que je peux te vendre. Ok. J'aimerais pouvoir marchander le prix. Bah bien entendu. Je te fais 32,5. Ah, puisque c'est vous. Cette offre est plutôt intéressante. J'en serais ravi si c'était un peu moins cher. Allez, 31,5. Vous voyez, j'étais persuadée que nous allions trouver un accord. Bien sûr. Y a pas de raison. Elles sont où les boutiques, là? Allez, je peux pas courir. Attends. Je vais aller revendre chez le... je sais plus, l'armurier. Mister. Que Dieu vous accompagne. Merci. Parlons affaires. Vendre. Je te vends ma masse d'armes. Je pense que je peux pas vendre tout à un seul endroit en fait. J'ai pas fait de conneries là, j'ai appuyé sur X. Je peux pas lui vendre mes flèches. Ça c'est chiant par contre. Je vais essayer de trouver un marchand, un multi-marchand. Non, pas toi. Où est-ce qu'il y aurait un multi-marchand? Je crois qu'ici c'est... Non, c'est un boulanger ça. Le seigneur soit loin. Tu vois quoi toi? Puisse le seigneur veiller sur... Est-ce que je peux te vendre... Ah oui, lui, je peux lui vendre ma flèche de piètre qualité, mes anneaux en argent. Ah, là il y a de la thune. Je peux te vendre le lièvre. Il était tellement moisi. Et les bandages. Le calice, la coupe. Coupe en argent. La défense et les peaux de sanglier. Et ben voilà, c'est pas mal. Par contre, je récupère juste le lièvre pour mon chien. Je pense que c'est bon. Panier. Marchander. J'aimerais pouvoir Donc c'est bien, donc faut que j'aille voir les marchands. Marché conclu? Les boutiques en fait. Presque. Baissons. Ah, j'ai pas regardé s'il y avait un nous livre. Pourrons nous serrer la main. Brave, on l'achètera après. Bon allez, 260. Je savais qu'on finirait par... Merci mec. Alors maintenant je veux voir si tu as des livres. J'ai pas fait attention. Ah si, tu as ça. Lisible uniquement à partir du niveau 5. Petit nécessaire de tailleur. Éclat de nuit. Non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là il y a un primeur. J'ai même pas visité en fait les magasins, rien. Pff, le mec il n'a rien à foutre. J'espère pouvoir vous aider. Utile. Bonne chance à vous. Alors, toi, qu'est-ce que tu nous vends de bien? D'accord, tu nous vends surtout des légumes et des fruits du coup, avec un peu d'alcool. Ok, de la pastèque.
Ok, c'est pas mal. On va faire le tour un peu des magasins. Le boucher. Que Dieu vous protège. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alors. Une pièce, un gros chêne, de la quenne, la viande séchée. Ah oui, c'est vachement cher. La viande de cheval, c'est le moins cher. D'accord. Donc là, on a dit qu'on avait le tailleur. Là, on a les geôles. Ça nous intéresse pas. Il y a le bailli. Le tailleur. Ok. Là, on a des petits commerçants. Regardez-moi ces ponts pour apprivoiser l'air nature. Achetez-les avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. C'est quoi ça? Ah, c'est un boulanger. N'allez pas dépenser l'argent dans l'alcool. Puisse Dieu veiller sur vous. J'aime bien le mec qui donne de l'argent. J'espère que vous allez pas dépenser l'argent dans l'alcool. Un petit pain. Putain, un gros chêne. Non, mais même la viande, c'est moins cher. Une galette sucrée. Un petit pain, ça donne combien ça? 7. Ok. Donc, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allons. On va prendre le cheval. Est-ce que j'ai tout vendu, moi, ce que j'avais sur moi? Armes, c'est bon. J'ai plus les bagues. Ça, c'est bon. Et c'est pour le chien, ça. Autre. Du coup, j'ai plus de bouffe sur moi, en fait. Peut-être que je m'achète un petit morceau de pain, quand même. Ou alors, on chassera sur place. J'ai des pâtisseries tout juste sorties du four. Venez en acheter. Je sais pas, attends, je vais voir ce qu'elle me propose, elle. Putain, mais c'est vachement cher. Les poires, ça coûte moins cher déjà. Et ça met 3. Donc si j'achète 3 poires, ça me fait plus qu'un pain. Et si je multiplie 2 par 3, ça fait 0,6. Eh, c'est mieux. C'est mieux, ça. 2, 3. Je vais plutôt te prendre ça. Ça coûte moins cher. Je vais t'en prendre 10. Ah mais ça se périme vite. Ah mais avec 3 je nourris que 9. Là j'irai jusqu'à 100. On va faire ça. On va faire ça. Allez. Donc là on marche. Voilà. Gain de reputation, cool. On va bouffer ça tout de suite. Et voilà. Hop. Bon, allons visiter cette ville-là. C'est vrai, j'ai même pas visité encore. Donc là, on a une boutique. Là, on a un imprimeur. Apprenez à mon... Reste pas devant moi aussi là. Je sais pas, moi je vois un taré qui arrive à fond à cheval devant moi, je reste pas devant. Y'a quelqu'un? Everybody home? Ouh. Bah. Ah bah elle est là. Bon après-midi. Merci. Parlons à faire. Alors vous, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des bières, des bretzels. Putain, du bon vin, 32. 18 en alimentation. Ça rajoute tout en fait. La santé, l'énergie. Il y a 13% d'alcool.
du fromage, du gruau. D'accord. Du porc grillé. Du saucisson sec. Du schnapps. Ah ah. Viande de cheval. Pour l'instant, j'ai assez de schnapps. Voici. Et à la vôtre. Bonjour. Passe des rats. Je vais voir le chasseur ce qu'il vendait en fait. Alors, bonjour monsieur. Ah, c'est un bourgeois ça? Ah, je parle au chasseur. Une bonne journée à vous. Merci. Entraînement. Vous avez du travail? Vous n'auriez pas du travail à me proposer à tout hasard? Ça dépend. Vous avez une bonne ouïe? Pour? Vous avez une bonne ouïe! J'entends très bien, inutile de me hurler dessus. Mais pourquoi cette question? Parce que j'ai une mission à vous proposer. Mais il me faut quelqu'un qui connaît bien la région et qui a l'oreille fine. Bah, peut-être. Ma foi, ça me paraît être dans mes cordes. Bon, je vous expose la situation. J'ai un ami ornithologue qui m'a confié des rossignols rares pour les surveiller. Ils ont de la valeur. Les hommes riches les laissent en cage dans leur chambre. Grâce à eux, leurs femmes ne gênent pas quand ils partent batifoler ou boire jusqu'à plus soif. Je vois. L'ennui étant que les rossignols se sont envolés. J'ignore comment, mais le fait est là. C'est dommage. Et vous voulez que je les retrouve? Vous n'êtes quand même pas en train de me demander de partir à la chasse aux oiseaux? Pas tout à fait. Par chance, on leur a coupé les ailes. Ils ne peuvent pas aller loin et le garde de la tour m'a soutenu qu'il les avait vus partir vers Vranic. J'ai préparé des pièges. Les attraper sera un jeu d'enfant. Parfait. Mais comment savoir où installer précisément ces pièges? Ils affectionnent le bois de pin. Or, il y a une colline qui en est recouverte aux abords de Vranic. C'est vrai. Une immense forêt. C'est justement pour ça qu'il vous faut une bonne ouïe. Chaque rossignol siffle sa propre mélodie. Lorsque vous entendrez le bon chant, installez un piège à proximité. Quand je les avais chez moi, ils n'arrêtaient pas de gazouiller et j'ai encore leur mélodie en tête. Je vais vous les fredonner. J'ai hâte d'entendre ça. Ça donnait à peu près... Il y a des gens qui gardent ce genre d'oiseaux chez eux? Ça ressemble au cri d'un chat qui se fait tirer la queue. Vous savez comment sont les bourgeois? Ils ont des goûts étranges. Mais plus important, pourrez-vous vous en souvenir? Vous pouvez répéter? Vous pouvez répéter. Évidemment. C'est bon maintenant? Vous pouvez répéter? Vous pouvez répéter. Évidemment. C'est bon maintenant? Je oui, vois. Je l'ai en tête. Bien. Sauf que si je fais pas la quête tout de suite... Souvenez-vous, si vous entendez un rossignol, vous devez en installer un à proximité. Le reste devrait aller vite. Entendu. Oh là là. Entraînement. La chasse. Pourriez-vous m'aider à dresser mon chien? Bien sûr. Je voudrais connaître des techniques plus poussées. D'accord, mais ça va coûter cher. 180. Une autre fois, peut-être. Au revoir. D'accord. Lui, il vend des flèches. Oui, des flèches et des arcs. Ah, une carte au trésor. Niveau 5. Celui-là qui est pas mal.
Arc de villageois en carnouillé. 59. Ouais, moi j'ai ça, moi les flèches perforantes. Ah, je les avais achetées 8 chacune. Salut, il les vend à 7,7 quoi, je me suis fait arnaquer. Eh, parce que j'augmente ma réputation au fur et à mesure, c'est pour ça, je suis à 60 en répute. D'accord. Mais les meilleures flèches, c'est les flèches perforantes. Pourquoi un arc il coûte plus cher et moins bien? Bizarre. Quoi ça? La puissance. Pourtant il a une puissance de 64. Ah oui d'accord, c'est parce que j'ai pas la force et l'agilité nécessaires. C'est pour ça. Et là par exemple celui-là il faut force 3, agilité 2, je les ai. C'est pour ça qu'il est mieux pour moi. D'accord. Je suis à 49 et je passe à 52, c'est tout. On va laisser ça tranquille. Non, pas cuir. Arrête de bouger. Pouvez-vous me reproduire les mélodies? Non, ça devrait le faire. Entraînement. Alors, chérie. Pourriez-vous m'apprendre à devenir... Bien sûr. Apprenti. Niveau 5 nécessaire. J'aimerais apprendre les bases. D'accord. 60. Je paye, est-ce que je passe un niveau? Maintenant, soyez attentif. Au revoir. Ah, c'est ça. Ça me fait passer un niveau pour 60 groschen. C'était dans quoi? Dans Arc? Cet arc. Pas mal, il peut m'apprendre plein de trucs, lui. Ouais, c'est l'archerie, d'accord. J'aimerais que vous m'enseigniez. Bien sûr. Et je vais apprendre. J'aimerais apprendre. D'accord. 60. Maintenant. Au revoir. Chasse. Oh, j'avais pas gagné de points en chasse. Chasse. Ah si, j'étais niveau 3 quand même. D'accord. Donc ça c'est quoi? Permet de récupérer les défenses des animaux. Permet de récupérer les bois des animaux chassés. Bah laisse tomber, je suis même pas capable de chasser un daim ou autre. Le gibier que vous chassez rapporte plus d'abats. Vous pouvez dépecer les dépouilles d'animaux. Vous infligez plus de dégâts aux animaux sauvages. C'est pas mal, c'est pas mal, mais du coup, qu'est-ce que je prends en moi? Défense. C'est plus pour les sangliers, du coup, puis les ramures, plus pour les cerfs. Ça va être vachement difficile de chasser un sanglier. On va prendre ça. On va prendre les ramures. Voilà, bon allez, je fais un dernier coup. Entraînement, maître chien. Pourriez-vous m'aider à dresser? Bien sûr. Bon, je vais y répondre. Quoique j'ai déjà ce que je veux là. Si je fais pourriez-vous m'apprendre à devenir? Bien sûr. Ah d'accord, je suis obligé de niveau 5. Bon, je vais y réfléchir. Bonne chance à vous. Compétences.
Y'a pas archerie. C'est quoi ce délire? Raté 64. Putain, je suis que niveau 2 en arc. D'accord, c'est pour ça que je suis nul. Ah, je viens de capter en fait, je suis que niveau 2 à l'arc, ça me coûte de l'endurance. Et si tu portes pas d'avant-bras, ça te lacère le bras, ça te fait perdre des PV. Je suis sûr qu'en augmentant, l'arc tremble moins aussi. C'est quoi sa mission à lui là, avec les rossignols là? C'est où? Le nord de quête. Sous le pigeonnier. Apporter la bague au meunier. Vagabond raté. On s'en fout. Chant du rossignol. C'est où? Bah c'est là où il y a des méchants. C'est là où il y a des gros méchants. Allez hop, c'est parti. On va s'entraîner un peu à l'arc avant en passage. Ouais, je suis pas dans le bon sens pour m'entraîner à l'arc. T'es où? Ah, c'était là. Voilà. Que Dieu vous accompagne. Est-ce que quelqu'un ici veut? Sans nul doute, il y a. Vous êtes bon avec. Ouais, débutant. Je suis débutant. Excellent. Et moi, je suis. Ouais, parce que. Je vais voir si ça augmente mes compétences. Archer, à l'arc. En place. Nous allons commencer. Il est bon l'autre, le villageois là, le bourgeois là. Il est pas aussi bon que moi. Oui, 15 points. Alors les gars, vous êtes nuls. Henri remporte la victoire. Ah, merci, merci. La compétition s'arrête là. Merci, 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 merci. On va continuer un petit peu en. Est-ce que quelqu'un ici veut ma. Sans nul doute. Vous êtes bon avec. Bah, ouais, je suis pas débutant. Trop mauvais. Mais débutant, c'est très bien. Ce n'est pas grave, c'est beau. Excellent. Je n'ai même pas passé niveau 5 encore. Partez-vous. Toujours débutant. Vous pouvez commencer. Merci. Je commence à mieux gérer. Je suis à peu près dans l'axe à chaque fois. Ah,
à côté. Il va me la éliminer là, le petit bourgeois là. T'as pas le droit. Pas le droit. Eh, il se démerde bien lui là, celui de là-bas là. Avec son chapeau. Le concours est terminé. Ouais. Henri est notre grand gagnant. Ah, merci. Merci, 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 merci. Par contre, il y a un souci, c'est que... Est-ce que je progresse? Ah oui, dis donc, c'est très très minime. Hein. Voilà. C'est pas terrible. Est-ce que quelqu'un ici veut m'affronter au tir à l'arc? Je suis certain qu'on pourra... Vous êtes bon avec... Bon, je suis pas trop mauvais, on va j'ai tester. J'ai déjà tiré plus... Dans ce cas, vous... Excellent. Avec des soldats. Moi, je vais partir. Bonne chance. Comme ça, même si je perds, je gagne un peu d'argent. Vous pouvez commencer. Et c'est trop puissant. Oh oui, en plein dans le mille là. Ouh, en plein dans le mille encore. Et non, pas trop mauvais. Je suis meilleur que les soldats. Enfin, faut pas crier victoire trop tôt. Je suis pas loin du centre à chaque fois. Voilà. Ensuite, le temps qu'ils tirent leurs flèches pour être à peu près égalité, voilà. Enfin, je veux dire au même niveau. 33. Ouais. Henri est couronné vainqueur. Merci, merci, merci. Pour votre argent, pour vos gros chaînes. C'est fort aimable. Alors, est-ce que je progresse plus vite? Ouais, peut-être bien. Peut-être bien qu'on progresse plus vite. On va recommencer. Est-ce que quelqu'un ici veut... Bien évidemment, vous êtes bon. Bon, pas trop mal. J'ai déjà tiré plusieurs. Dans ce cas, vous n'aurez aucun... Excellent. Moi, je vais partir. Bonne chance. Allez, les gars. Archer, en place. Nous allons commencer. Pas avoir autant de chance à chaque fois, pareil. C'est serré. À partir du moment où je loupe les flèches, ça c'est pas bon par contre. Ah là là, c'est serré. Ah là là. Il est fort là, le premier là. Pas même l'autre en même temps, tu me diras. Hein. Oh là là. Ah ouais, c'est serré. En tout cas, je tire mieux qu'avant. Ça sert de s'entraîner. Ah oui, j'ai encore gagné. Henri est notre grand gagnant. Merci. Ah, c'est pas mal. Je vais faire une petite coupure, du coup, je vais m'entraîner jusqu'à passer niveau 3. On va faire comme ça. Allez, voilà, j'ai terminé. Je suis passé niveau 3 en arc. C'est super. Allez hop, on peut ranger l'arc, hop. Et puis j'ai aussi gagné plein de thunes parce que du coup j'ai fait plein de combats et j'en ai perdu que un.
Alors j'ai perdu un combat en normal et j'ai voulu faire un combat en difficile et j'ai perdu. Du coup j'ai perdu 70. Les gros chênes. Bah, je suis rendu à 1000. Ouais donc j'ai bien gagné. Pas mal du tout. Est-ce que du coup je pourrais m'acheter un meilleur arc? Parlons affaire. À partir du niveau 5. Quatre trois puissance 42. Pourquoi il me dit que je suis à 0? Une puissance de 37. Pourquoi il me dit arme à distance 0? Dégâts 130. Modificateur de puissance 0,9. Donc là je suis à 49 avec celui-là. Que Dieu vous accompagne. 56 avec celui-là. Marchand d'ail. J'aimerais discuter. Oui. Oui, c'est. Voilà. Hop, je gagne un peu. Et si tu pouvais pas lui vendre mon truc, quoi. Ah non. Pas grave. On va bien trouver quelqu'un qui sera intéressé par ça. Je reviens à cheval. Ouais. Et toi là. C'est un honneur que. Parlons à faire. Le Seigneur, veillez sur... En fait, j'ai lâché trop tôt mon truc, ça se trouve, lui, il vendait un truc mieux que ça. Ah non. Par contre, au niveau des flèches, si. Les flèches perforantes. Alors, si j'en achète 20, ça me coûte combien? Hop. 200. Non, apparemment le noisetier c'était le mieux. Ok. Et maintenant si je te vends ça. Et ça. Non. 20. Je devrais payer 173. Bon, je pense que ça devrait le faire. Marchandé. Et si on parlait un peu du tarif? D'accord. De toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est moi qui décide. Moi, je dis que je te les achète 155. Vous acceptez? J'ai presque. Ah, 160. Ouais, ça pourrait le faire. Voilà, ça c'est cool. Gain de réputation. Pas mal. Pas mal, on arrive à 64. Voilà. Ah, j'arrive avec 68 en arme à distance. Pas mal. Non, c'est pas par là. On a dû se salir un peu, on va faire sa toilette. Voilà.
Donc on a dit qu'on allait faire la petite quête avec les rossignols là, vite fait. Avant que j'oublie le... Comment qu'ils sifflent. On va aller dormir vite fait un petit coup avant. Magnifiques concombres. Que Dieu vous préserve. Faites-moi voir vos concombres. Au revoir. Le poire, il t'en reste 7. Allez hop, je t'achète tout. Et un petit peu de pomme aussi. 5. Voilà. X... En marchand, nous on est. J'aimerais discuter. Des tarés, nous. C'est beaucoup trop cher, 3 gros chênes. Je vous en donne 3,1. Vous acceptez? J'ai presque failli. Famille, approchez, venez sentir. Allez, 3,2. Ouais. Servez-vous c'est un verre de lait frais. L'enfoiré. Il marchande pour 3 gros chênes. Alors. Voilà. Le lièvre c'est pour le chien-chien. Et où le chien-chien? Ah, t'es là. Tu vas où là? Hop, arrête de bouger. Tiens, regarde, j'ai un truc pour toi. Des légumes bien frais. Non, cette belle admirez, de lièvre. Sentez-les. Paris, ne sont-ils pas bons à voir? Sel, levure. Il suffit de les laisser cuire. Ah, il me casse peu, les oreilles. Vous pourrez nourrir votre famille entière avec du pain frais. Il dira, je suis pas obligé d'aller vachement loin pour dormir. Là, ici. Oh, attention à ce que vous faites, il y a des gens qui marchent ici. Bah, et toi, fais attention à ce que tu fais, t'as vu où t'es? C'est pas ici ton, ta place, c'est à côté de la porte, c'est là. Là, tu vois, c'est quand même pas compliqué en face de l'autre, là, ici. Qu'est-ce que tu fous là? Pff, non, mais sérieux. Hop, dormir et sauvegarder. Sauvegarder un petit coup, ça va pas faire de mal. J'espère qu'il va pas m'envoyer à perpète. Ah, puis c'est bientôt la nuit. Ah, d'accord. On dormait à 9h. Je crains le pire. Ah, parce que là, pour aller chercher le rossignol, ça va être compliqué dans la nuit. Faut que je fasse ça de jour. C'est cool, ça n'a pas fait de somnambulisme. Allez hop, monte à cheval. Par là et par là, voilà. Ensuite, yeah.
crois que je peux passer par là. Sauvage. Le jour se lève. Oula. Oula, il y a un truc bizarre là. Un gros virage. Ah, c'était ça. D'accord. Faut pas que je me fasse chier, faut que j'aille tout droit. On va pas s'amuser à contourner. Mais sans blague, on a un chevalier ou pas? On contourne pas, nous. Là, on retrouve une route. Et on va arriver au camp. Voilà. Ça c'est bien. Ah, t'as coûté. On n'a que ma gueule à finir. Et quoi? Mais ils sont pas droits. Oh lolo. Mais c'est impossible, c'est une grosse embuscade en fait là. Ah. Oh là là. Ah. Ouais, j'ai oublié de mourir là. Csába, hagyd már! Elég volt, győztél! Baszd meg, elég! Bele. Alors? Comment ça se fait qu'il n'y ait plus que ça là? Où les autres? Bah, je les ai quand même pas tous tués. Oh, je vais pas tout récupérer non plus. Viande séchée, ouais. Oh, il a pas d'oreille sur lui. C'est con. Par contre, je croyais que j'allais vraiment crever, moi. Arme. Tabac ordinaire. Flèche améliorée. Armure, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Nourriture.
Les gros chênes. Donne-moi tes gros chênes. C'est con, il y en a qui se sont enfuis. Attends, envoyer au cheval, envoyer au cheval, envoyer au cheval. Heureusement que j'ai le don sauvage. En fait, c'était une embuscade, si j'ai bien compris. C'était une embuscade. Mais ils étaient vachement plus nombreux que ça. Il y avait 3 archers plus 4 combattants au moins. Ils sont bien équipés les gars. Du vin, des gros chênes. Attends parce que il y a un souci, je suis arrivé de par où moi. Non, c'était pas là. C'est la forêt. Ah, c'est bête que j'ai pas pu tuer tout le monde. J'aime pas quand les connards restent en vie, moi. Surtout que j'ai pas eu mes oreilles de couement. Est-ce que vous avez vu des coumans s'enfuir? Là-bas. Tu l'as eu? Ah, ça c'est cool. Prends ça, enfoiré de merde. On va reprendre le sabre. Au sens, on aura plein de trucs à vendre. Saucisse fumée. Et hop, ça c'est pour moi. Et tes gros chênes, voilà. Bon, on a tué tout le monde ou pas? Ah, je crois qu'il y en a encore qui sont enfuis, hein. Ah là. Mais il est à moi, il est à moi. Et vite en finir. Ah. Mais t'as pas de vent. C'en est fini. Et... Ouais, donc ils ont tous... je les ai fait fuir en fait. Ok, je les ai déroutés. Viande séchée.
cas, ils m'ont rapporté pas mal de thunes. Parce que maintenant, je suis à 997-13. 197-13. On enlève la torche. On a trouvé d'autres ? Il faut qu'on les extermine, hein. Pas qu'on les laisse ici, ils peuvent s'attaquer à des commerçants et des gens honnêtes. On les tue tous. Et du coup, je trouve plus mon cheval, moi, à cause de leur connerie, là. Qu'est-ce que t'as osé me dire ? Ou est-ce qu'il a bien pu se volatiliser ? Il doit... Oh ! T'appelles ça un combat ? Oh, ça fait mal ? Joli. T'es mort. Et tout ce que tu sais faire ? Du Christ, qu'est-ce qui t'arrive? Allez. Alors? Oh, j'ai gagné un point en force et un point en massue, cool. Est-ce que vous avez vu mon cheval? Est-ce que vous avez vu mon cheval? Oh, mais ils sont chiants. Ils parlent pas. Du vin, deux gros chênes, mais sous de ma gueule. Les misérables, ils sont habillés en pyjama, quoi. Et ils osent attaquer un mec en armure complète, enfin presque. Alors qu'ils sont habillés en pyjama. Petite flèche perforante. Ah, j'ai dû lui faire mal quand je lui ai balancé ma flèche dans la gueule. Ça me dit pas où est mon cheval, moi. Il y a quelqu'un ici, là. Eh, tu ramasses les armes, toi? Ça va, tranquille? Tu fais le ménage? Je suis persuadé qu'il était par là à peu près le cheval. Là. Hey, qui va là? Que se passe-t-il ici? J'aurais tout vu. Un porc qui va de son plein gré à l'abattoir. Hey, vous tous, venez ici. Donnez l'alerte. Qui va là? Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que tu fais là? Il a assez de vivre, c'est ça? Allons. Alors? Non. Qui va là? Les prières sont exaucées. Je voulais passer mes nerfs sur quelqu'un, justement. Ah bon?
Ouais, on a fait un peu le ménage, c'est bien. Mais je crois qu'il y en a un qui est... Je crois qu'il y en a un qui s'est enfui, hein, quand même. Non, pas ça... Ah, je suis à 54 en alimentation. Voilà. Ça, cheval. Ça, cheval. Non, ça peut servir pour le chien. Les chaussures de maille. Objet de quête. Éperon du chef de bandit. Ah bah c'était le chef lui. Bah c'est cool. Tiens là. Ce chien. Ah ben. Voilà. Tiens, prends ça. C'est rigolo. Pardon, chien. Comment je vais éclater la gueule. Toi. Tu vas adorer. Tiens. Allez, prends-le ton putain de viande là. Oh. Il y a des gros bugs des fois. Par contre, ça me fait plein de... En train de regarder, mais ça me fait plein de...
D'oreilles de bandit, ça c'est cool. Défense, un peu d'argent, ça. Voilà. Du coup, il a pas eu sa bouffe, ce con-là. Tiens. Regarde. Ils étaient un peu gore à l'époque. Hein. Ils arrachaient les oreilles pour prouver que... Bon, est-ce qu'il y a un coffre rempli d'argent ? Ce serait bien ça. Empoisonner le vin. Hey ! Ah, ça c'est bien, par contre, on peut aussi tuer de manière un peu moins bourrine. C'est cool. Difficile. Ah, j'augmente mon crochetage. Oh putain, 117 de thunes. Oh, ça c'est cool. Ah, j'ai bien fait de venir. Et j'ai bien fait de les buter tous. Par contre, j'ai plus que 14 flèches. Il faut l'équiper. Ça, on le met sur le cheval. Pas mal, j'ai gagné des petites jambières. 76 de santé. Manger. Voilà. Ça, on le met dans le cheval. Ça aussi. Hop, on a plein. On a 5 oreilles de bandit. Calice de communion. En or. Ah bah y'en. Déjà 1200 thunes. Cool, c'est cool, c'est cool. Par contre, est-ce que je les ai tous tués? Faut être sûr avec ces gens-là. Il y a là le chef. Le chef est crevé. Ah merde, je vais être ballonné. Je suis con. Bah, apparemment, j'écoute le bruit de l'oiseau, mais j'ai pas retrouvé mon cheval. Hein. C'est pas ça ? Non, c'était pas ça. C'est pas ça? C'est compliqué la quête là, l'oiseau là. Dégage à oiseau, le déposer.
C'était quoi que j'ai vu là? Il y a un truc qui s'est affiché. Ah oui, c'est chassé. Pas facile sa quête. Hein. Hey. Voilà, avec mon armure et tout, ils vont me voir devant. Hein. J'arrive pas à déterminer où il est, il y avait un bruit qui ressemblait à peu près. Ah, il est chiant à bouger. Oui, je l'ai eu. Ouais. 97, ça fait lourd. Hein. Il y a combien mon cheval du coup? Vitalité! Ah, plus 1, c'est cool! Alors j'ai quoi? Coureur de fond. Corps de vitesse. Alimentation équilibrée. Si vous passez 5 jours consécutifs sans être repu ni affamé, vous obtenez plus 1. Ça a l'air pas mal. Alimentation équilibrée, c'est cool ça. Bon, mon acolyte là. Capacité 157. Il est à 151. Oula. Ça sent le cadavre. Allez, Korbak. La chasse des sangliers. Ah oui, il est long, il y a plein de sangliers là. Mais j'ai plus de place. C'est con. Hein. On est rendu où là du coup? Ah, je suis juste là. Bon, ça va. C'est bon, c'est un gros lieu de chasse ici, c'est cool. Par contre, peut-être que j'aille plus au sud alors. Ou plus par là alors. Ah, je suis plus en limite.
Une cage à oiseaux. Juste une. Hé, hey, décarpissez. Vous n'avez rien à faire là. Mais c'est quoi? Un braconnier, c'est-à-dire que je peux le buter? Il n'y a pas d'oiseau dedans. Fichez-moi le camp. Du vent, j'ai dit. Qu'est-ce qu'il fout, lui, en fait, là? Disparaissez. Fichez-moi le camp ou ça va mal se passer. D'accord, d'accord, je m'en vais, je sais pas. Un braconnier, normalement, il est puni par la loi, normalement, le braconnier. Je suis plus du tout dans la limite, en fait. J'aurais prévenu. Ah, tu veux te la mettre? T'appelles ça un con. Arrête, tu m'entends? J'abandonne. Continue le combat. Il n'y a pas de capitulation qui tienne. Qu'on en finisse. Malheur à toi. Non, malheur à toi. Bon sang. Et prends ça, ça t'apprendra. C'est quoi les icônes là? Chien désobéissant. Ah merde. Oh, il a 12. Ah, tiens. Nourriture. Regarde ce que tu vas. Tiens, mange-moi ça. Ça t'a mis combien en obéissance? 21. Mais c'est qui? C'est... Regarde. Nourriture. Ah oui, le pauvre, il a la dalle. Donc ça a mis combien? 21, 26.
Bah alors, ça augmente pas l'obéissance. Mais c'est... Regarde ce que j'ai pour qui va adorer. Il va faire une indigestion. La santé. Fais chier ce cheval là. Du coup, il avait quoi chez lui? Chasse, d'accord. De la viande de chevreuil. Je peux pas tout prendre, mais j'en prends 6. Non, je peux pas 6. Je peux pas 6, alors je vais en enlever 1. Et le chevreuil se vend un peu moins cher. Les méchants braconniers, moi je les tue, moi les braconniers, ils sont méchants. Par contre. Je fasse remonter ton obéissance, toi. Tant que ça se fait que t'es descendu aussi bas. À force de te prendre des coups, peut-être. Compétence maître chien. Alors, fidèle compagnon. Votre chien. Très bien, hein, vous obtenez immédiatement un bonus d'obéissance de plus 10 chaque fois que votre chien s'enfuit et revient vers vous. Le chien peut détecter un ennemi de bien plus loin, vous permettant d'éviter facilement les embuscades. Gentil chien-chien. Ça c'est pas mal. Fidèle compagnon. Du coup il a 52. Déjà mieux. Ils sont mignons, ils sont tout gris. Vous auriez pas vu mon cheval? Ouh, eh, attendez. Partez pas. On va prendre la route, on va voir si on le voit. De toute façon, faut qu'on rentre au bercail. Ça, c'est un beau tutu. Bon, est-ce qu'il va y avoir encore une embuscade au même endroit? Les gars dans ton genre, ça me fait vomir. Mon Dieu! Qu'est-ce que t'as essayé de faire? Voilà. Ça prendra.
Même d'autres. Je sais pas s'il y en a d'autres. Le problème c'est que j'ai plus de place sur moi. Les gros chaînes par contre je veux. Bon, on continue, hein, de toute façon. J'espère que je le retrouverai. Fais chier. Je me retape toute la route à pied. Parce qu'il est pas là. Ça, c'est des champs, ça. Le braconnier, qu'est-ce que vous fabriquez ? Ah, ils vont me péter les couilles. Je ne chassais pas. Cette carcasse se trouvait là à mon arrivée. Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous cherchez votre proie, c'est ça, espèce de braconnier ? Et ce cerf mort ? Je cherche des coumans, et quand j'en trouve, je les tue. Vous ? J'y crois pas. Pourtant, vous avez toujours l'arc qui a servi à abattre cette chose sans défense. Ça ? Je dois bien me défendre. De nos jours, c'est de la folie de quitter son village sans une arme. C'est vrai, je vous donne raison. Les temps sont durs. J'ai un drôle de pressentiment à votre sujet, mais je ne peux pas avoir la certitude que c'est vous l'auteur de ce massacre. Je suis soulagé de vous l'entendre dire. Et qu'est-ce que vous faites là, au juste ? Où voulez-vous en venir ? Vous portez l'arme du crime. Jamais vous ne prouverez qu'il s'agit de l'arme du crime. Mais par contre, je peux vous prouver que je sais m'en servir. Je pourrais vous traîner jusqu'à Ratay et laisser le bailli décider de votre sort. Ben oui, c'est moi qui ai fait ça. Mais... je devais manger. Les coumans ont mis en cendres nos maisons. Les bandits nous ont tout pris. Tout ce qu'on avait. Vous n'êtes pas obligé d'aller le raconter, vous savez. Et je ferai en sorte que vous ne le regrettiez pas. Soit, payez et vous pourrez partir. Merci. Je suis pas dans le bon sens. Mais t'as pas vu mon cheval ? Mais est-ce qu'il a pas d'argent ? Sa famille a du mal à se nourrir et il me donne 25 gros chaînes. Bon, j'espère que le cheval m'attend à l'écurie. Hein. Franchement, ça c'est chiant par contre.
Moi je veux mon cheval. Et j'avais un cheval et je suis obligé de me coltiner toutes les routes à pied là. C'est quoi ce délire? Bon chier. Regardez par là si mon cheval est pas là. Je le sens mal. Je suis sûr qu'il s'est paumé en forêt ce qu'on l'a. Tu sais comment est mon mari. Rien n'est jamais assez bon pour lui. Il fait toujours la fine bouche quand je lui prépare des petits plats. Si je ne le connaissais pas, je dirais qu'il a le sang noble. C'était à quel sujet cette fois? Il m'a apporté un lièvre en me disant de lui cuisiner un plat qui sort de l'ordinaire. Ah, dur dur, non. C'est peu de le dire. Je ne peux pas le préparer à la crème car ça lui donne mal aux intestins. Il a horreur de l'odeur de l'ail, déteste la moutarde et pour lui le bacon c'est trop banal. Ah, je vois. C'est embêtant. Tu n'as pas ta petite idée de ce que je pourrais lui faire? Je suis de Scalise, brave blanc. Écoute. Vous le savez secret réside dans l'assaisonnement. Il suffit de le rôtir avec un peu de... On check la recette de cuisine. Encore ouvert là-dedans. J'ai du pain de ce matin. Je suis à votre service. Noble chevalier. Ah, toi tu vois que je suis un chevalier, c'est déjà bien. Alors, tu vas me réparer. Mais t'es trop nul pour réparer tout ça. Sélectionnez tout. 256. Marchander. J'aimerais dire... Vous acceptez... C'est pas assez. Enfin, une somme raisonnable. Voilà, ça c'est bien. Donc déjà, ça c'est réparé. Le marchand avant que ça ferme. Hop, on fait comme ça d'abord. On va chercher chez le chien. Ça a rien d'en avoir autant. Il va se briser une côte. Portez-vous bien. Que Dieu vous accompagne. Alors moi je veux te vendre ça. Ça. Non mais tu me vends tout là, mais ça va pas bien toi. Ça. Ça fait que 161. Ah ah, 400. Ça c'est bien. Euh...
suis assez de sang. Panier. Du coup, on va enlever des trucs. On va retirer les deux coupes en or. Et le calice de communion. Voilà. Bon, j'ai peut-être des trucs que je peux acheter, hein, tu me diras. Tiens, les schnapps là. Hop, j'achète les deux. Eh, y'a un problème. Pourquoi? Ah bah oui, ça coûte super cher ça. Voilà. J'aimerais pour moi. 420. Est-ce assez? Ça commence à être allé. Bon, très bien. Allez, 390. Qu'est-ce que je vous mets? Je cherche désespérément certains articles. Ce sera tout pour aujourd'hui. Voici votre monnaie. Merci de votre visite. Et bien, ça va vite. Je cherchais quelque chose en particulier, je me souviens plus. Le tailleur. Faut que je fasse réparer mes... Faut que je fasse avec réparer mes trucs. Des grains de cumin, de l'ail et bien plus encore. Vite, avant que ce soit vous fermé. Vous n'en trouverez nulle part ailleurs. Ah, c'est fermé. Putain, mais ils bossent que dalle, les mecs, quoi. Du pain, du bon pain. Le panda de Tabor. Tu sais, celui à qui j'achète. Bon, c'est pas grave, tant pis. Comment je suis avec les chaussures? 84. Le forgeron aussi. Je ne peux pas, je regrette. Je t'ai rien demandé. Ah, j'espère qu'il est pas fermé. Bien le bonjour. Ah, il est fermé. Adieu. Putain, mais ils sont chiants. Pff, sérieux, ils bossent que dalle, les mecs, quoi. Pff. Qu'est-ce que c'était? Putain, j'ai oublié de revenir le lendemain, quoi. Bon, est-ce que j'ai mon cheval au moins? J'aimerais bien avoir mon cheval là. Est-ce que je peux m'entraîner? Apparemment, il y a un instructeur par là. Bon, ça doit sûrement être Bernard, hein, l'instructeur. Ah, ils font chier, sérieux, quoi. Pff. Putain.
Ah, oh, ça me saoule. Putain, c'est-à-dire que j'ai perdu mon cheval, quoi. Ouais, bah, t'as qu'à pas rester là. Allez voir le charron, ça me fait encore des frais.